parle à un auditoire. Il n'y a pas d'auditoire. L'auditoire, c'est les internautes. Et d'ailleurs, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Ah bon ? Le matin. Ouais. Il y a combien, hein ? Je peux voir, c'est pas moi qui fais. Je connais pas, c'est le technicien. C'est pas toi qui compte les chiffres. Bah c'est parti, hein, en fait. Hein. D'accord. Ouais. C'est parti, on peut même vérifier. Ouais, mais tu on va charger une partie pour voir. Bon, ouais, la tienne. Hein. Ouais. Ouais, moi la mienne, je vais juste jouer. Je vais demander sa partie contre Salgado. Voilà. Oui, c'est hein, il a pas ça, cherché. Hein. Oui, mais il n'a ouais. pas cherché. Ouais. Il avait le choix. Bon, sur E4, c'est un peu compliqué de toujours de chercher à gagner. Tiens, on va aller, on va la mettre. Hop, il n'a pas voulu prendre de risque. Voilà, quand il joue une berlinoise, bon, j'ai compris que. T'as compris qu'il avait abandonné l'idée. De... Ouais, hein? L'idée de me battre et de me rebattre ensuite, en fait, après-midi. Ça peut. Ce qui me rassurait un peu, c'est que en cas de défaite, il se faisait rattraper. Donc. Oui. Bon. Il fallait pas. Ouais. Il fallait pas. J'ai plutôt bien joué dans ce tournoi, donc il n'a pas tenté le diable. Ce qui m'arrange plutôt. Ok, attendez ça. Voilà, c'est comme ça. Donc on nous voit bien. Ça va. Bon. Bah, je sais pas si tu veux dire un truc par rapport à ça. Hein. Non, spécial. Non, c'est ouais. juste. C'est à peu près équilibré. Voilà, ça a ouais. été joué. Ok, et t'es pas un souvent. Poil mieux quand même. Tu peux pas. Imaginons que dans une autre situation, oui. un après bon, fou des trois, c'est à peu près normal. Est-ce que tu vois un moment une. J'ai pas de levier. Une là. Suggestion où t'aurais pu essayer de faire un truc. Et que t'as pas osé parce que tu t'es dit bon, de toute façon, ça. Je connaissais cette partie absolument pas. Non, ça justifie. Oui, non, ça justifie absolument pas. Donc. Tu l'as pas fait, non, mais est-ce que t'as cherché. Une idée. Non. Pas de scoop. Peut-être. Faire un D4 peut-être. Regardez. Mais c'est pas évident, je sais pas. Ouais. D'accord. Peut-être qu'il faut que j'essaye d'échanger les fous. Peut-être fou H3 d'abord. Ouais. Fou H3, on a F5 je suppose. Fou F4. Je sais pas, peut-être ça peut être un chouïa. Un chouïa plus agréable. Quoique c'est pas. C'est pas sûr. S'il prend, c'est clair que là, je vais être mieux. Parce que je vais prendre quand je veux en G4 et j'ai case noire, peut-être dame D4, mais il n'est pas du tout obligé de prendre. Faire fou B6 par exemple. Et peut-être que je commence déjà à regretter cet excès d'optimisme. Non, je sais pas là. Franchement, c'est pas quelque chose. Ouais. Tour 1 ici, c'est pas quelque chose qu'on joue pour gagner. Ouais. Donc, okay. Voilà, je sais pas trop. Non. Je sais que Maxime a joué avec Tour 2, mais c'était pas ici, non ouais, peut-être c'était Tour 2, j'étais, non j'étais dans une partie de Maxime, moi. Voilà, oui, c'est ça, oui, avec l'idée de faire la même. Il avait gagné, d'ailleurs, je crois. Oui, il a gagné contre Guéry à Bienne. Ouais. Voilà, alors, l'idée principale, c'est de faire D3, et quand il menace d'échanger les tours, par exemple KF6, voilà, des deux, c'est d'avoir doublé. Alors, comment il a fait, mais... Je sais pas comment il a fait. Bon, bref, c'est une subtilité. C'est un peu évidemment que les blancs ont deux fous. Si tu mets est-ce que si tu mets le fou en E3, enfin, faut jouer un coup de précaution, H3, genre un truc comme ça. Ouais. Puis le fou G3 en E3. J'ai 3 contre le fou, en plus j'ai des fous H3 parfois. Ouais, donc tour 8, tour 8. Fou E3. Et là, à ce moment-là, tu es un petit peu plus prêt à doubler. Peu plus, mais bon, il va peut-être m'embêter comme ça. Je sais pas. Il faut que je garde mes deux fous parce que je sais pas comment il a fait dans cette partie, je me rappelle plus. Honnêtement, peut-être un plus 7 sur 7, 7 tours ou 7 qui arrive. Franchement, c'est pas, même s'il y a quelque chose, c'est pas grand chose. D'accord. De toute façon, contre Étienne, évidemment, j'en voyais pas l'intérêt, donc nul suffisait amplement. Et puis la partie contre De Grève, t'avais pas très très super bien négocié les deux fous. Oui. Ensuite. Ouais, des 4, c'est peut-être un peu. Oui, non, des 4, je sais pas. J'ai eu un coup de chaleur. Sur la deuxième partie du tournoi, il faisait vraiment. Je sais pas, j'arrivais beaucoup moins en forme sur les parties.
Et ça se ressentait dans mon jeu. Il faisait chaud, je sais pas. La chaleur a commencé à me... Oui, mais là, il fait un peu plus chaud depuis ces derniers jours. Oui. Et justement, c'était le jour où c'était le plus humide de la partie contre Germain. Ouais, peut-être il y a ça aussi, l'humidité. Si et donc j'ai fait D4 un peu vite alors que je pouvais jouer cette position oui, pendant des heures. H3, et... G4. Ouais, c'était vraiment, c'était exactement ce que je voulais. Ouais. Une position sans risque et on voit ce qui se passe et je peux jouer. Bon, d'habitude, je bats toujours Jean-Marc. Enfin, toujours. Très souvent, mais je gagne jamais le championnat. Donc, voilà. C'est un signe, peut-être. D'accord. Ok. Alors bon, je sais pas si tu vois des parties qui sont j'aimerais bien regarder intéressantes dans le celle lot. De mon épouse. Oui, ah, voilà, bien sûr. Qui a malheureusement son tournoi a mal tourné en milieu de. Elle avait une position très prometteuse contre Safranska et contre Conjou et elle a perdu les deux. Sinon, elle n'en serait pas là. Allez. Elle aurait plus de points. Alors, donc normalement, elle fait l'italienne. Elle a c'était une Steinitz différée. Voilà, une Steinitz différée. Exact. Voilà. Alors on attend un peu normalement pour jouer des 5. On joue tour 1. Oui. On peut rentrer de nouveau coup ou pas ? Ouais, ouais. Non, faut faire un contrôle U d'abord pour reprendre la main. Quand la partie n'est pas terminée. Contrôle U. Voilà. Tour 1. Voilà, tour 1. Pour attendre de voir ce que font les. Ce que font les noirs. Par exemple, KE7 déjà là, D5 et B8. Et maintenant on n'est plus obligé d'échanger les fous. Faire tous ces deux. Mmh. Le K en B8, c'est pas clair. Il est une bonne position. Voilà, KF6, il faut H3. Là. Il y a aucun jeu comme ça. Ici, ça donne une est indienne un peu bizarre. Il manque des fous de case blanche, donc l'attaque n'est pas si facile à monter. Mais de l'autre côté, on va faire F5 plus vite. Fou F6. Allez. Comme dans les est indiennes où le plan c'est fou E7, K G7 et F5. Voilà, pour empêcher K G7. Ouais. Les Estoniennes avec KBD7, voilà, c'est le plan logique. Parce que là, on a du mal à. Bon, j'ai parlé sur H6. Voilà, pour faire. Et même, il y a un problème technique de toute façon qui risque d'arriver, c'est qu'il y a F5 puis on prend qui avait pris E5. Surtout qu'il y a G5. Oui, là, oui. Oui. Mais si tu joues H6, c'est H6, pas encore le coup thématique ici, c'est G3. Voilà. Et pour avoir sur F5, cavalier H4. Et en général, ça se. On fait jamais plus avec le. Ça marche comme ça. F4. Ok, je prends d'abord. Et tu veux, si tu fais K prend 5, c'est pas. Puis on prend. K prend 5. C'est l'aventure. Et dans ce cas-là, tu. On va voir, c'est une aventure qui est pas trop mal pour les blancs. Disons que. Mais même cavalier H4 ici, bon, on voit qu'il n'y a plus de coups déjà. KF6. Il y a cavalier prend F5. Mais on remarque avec le foot casse blanche. Dame 8, pas si clair. Donc elle prend le 5, oui, oui, c'est vrai. Mais elle avait, parce qu'en fait, ça aurait pu arriver après. Elle connaît, parce qu'on la joue cette estonienne avec KBD7 et E5 assez rapide. Voilà, donc fou F6, le fou en E7, c'est Bologan qui a montré ce plan. B4, voilà, fou E7, en plus ça empêche C5, KD2. Et le retour du jeudi. Elle a fait fou G5, bon, KG7, c'était... le plan, mais c'est pas mal d'échanger les fous de case noire peut-être. Fou prend, plus ou moins forcé, dame prend. Cavalier E2 un peu pauvre. Hein. J'étais avec Marie avant, on regardait plutôt en H2 pour essayer de glisser un G3, mais c'est jamais très très facile. D'accord. Roi H2, F5 je suppose. Hein. Non, roi H2, F5, G3. D'accord. Tu viendras pas en F4. Ok, mais c'est juste une position à jouer, peut-être en double, je sais pas. Tour F7, tour F8, cavalier F6, je sais pas. Bon, bref, c'est une position à jouer. Et on voit que les blancs n'ont pas tellement avancé à la dame. KE2, c'est un peu passif, je trouve. Puis on prend KF3, dame G7, là j'aime beaucoup les noirs roi H8, normal. C'est 5 tours G8, pour voir. Bon, évidemment, G3, ça serait trop affaiblissant. Cavalier 1, bon là ça commence à être. On rapatrie c'est la loose. Non mais là ça va pas aller. Là. F4, menace F3. F4 c'est un peu. Peut-être KF6 c'était pas mal. Ouais, aussi, hein. KF6 en plus ça défend la case C7. Ouais. Je sais pas, c'est très direct hein, F4. Faut bien calculer parce que c'est une concession de, voilà, justement, de donner cette case.
Ouais, mais là, après cavalier F6, de toute façon, tu tires. Attends, attends, il y a le pion C5 en plus. Il y a le cavalier H5 en plus. Lequel? Je mettrais plutôt celui-là pour garder. Ouais. Est-ce qu'elle peut faire cavalier E4? Essayer d'échanger un cavalier. Il y a le cavalier juste emprisonné, d'accord. Donc c'est pas possible cavalier E4. Ok, F6 menace E4, je suppose. Ouais. Et du coup, le cavalier bouge pas. Non, mais. C'est une catastrophe. Ouais, puis tu perds du matériel. Hein. Par exemple, une variante. Sur là, le cavalier en C3, dame E2. E4. Cavalier prend, tour 8, F3, tu prends et tu joues cavalier G3. Ouais, cavalier prend et cavalier D2 aussi, ça marche. Ah, cavalier prend, dame prend, tu veux dire. Tour 8, oui. Ouais, bah, ouais. Tu gagnes du matériel. F3, cavalier G3. Ok, tour C4 alors. D'accord. Bon, je sais pas. Dame G6, probablement c'est jamais très bon. Hein. C'est quoi, ça se termine rarement bien. Ben ouais, là, ça y est, ça c'est. C'est terminé, c'est... oui. F3 jusqu'à G3, alors on va monter. Allez, dame B2 encore. Ok, bon. Il faut juste calculer précisément avec les noirs et ça devrait être bon, mais il se trouve que là, oui, en l'occurrence, il se trouve que là, mais qu'il y avait D5 compris. Alors, ça, ah oui, bon alors, cavalier, dame 2, allez, dame 2, E4, allez. Pourquoi pas tour 8? Jouons simple. Parce que je cavalier E4 lui-même, et là tu prends D5. Est-ce qu'on a besoin de se casser la tête ou pas? Il y a D6 en prise. Il y a le cavalier surtout en prise. Ah oui, toujours. Donc là, c'est embêtant, ça. Pas sûr. Cavalier F6. Ouais, mais attends, E4, il y a quand des grandes chances que ça gagne vu le clouage. Ok, cavalier prend E4. Ouais, tour A8. Tour C4. Ça tombe bien. Ouais. Donc là, c'est là où il y a. En plus, t'as pas des F3. F3 d'aime prendre. Ouais, non, ça marche pas. Bon, alors donc. Non. Donc, t'avais dit. Dame on G6. Remet. Dame G6, ouais. Peut-être tour E5. Il y a dame G6, dame B2. Non, le clouage est déjà. Mais il y a tour prend E4 là. Exact. Donc il faut faire F3. Pardon. F3. Dame G6, F3, oui, pardon. Voilà. Et là, si tu fais. Cavalier prend. Ouais. Non. Cavalier prend E4, voilà, malheureusement, il y aura tour prend. Il y a échec en B2. Ouais. Ouais, il y a toujours cet échec en B2. Ouais. D'accord. Qui est facile à rater. Elle a beaucoup de temps, le mirage. Je suis passé. Là, on n'a pas les. Sur Play Chess, on n'a pas les temps. S'il faut faire un truc, c'est Marie qui sait faire des trucs. D'accord. Bon, elle avait 45 minutes contre. Vous pouvez voir de chez vous probablement si vous. Alors, et si tu gagnes la qualité, ça va pas. Ça se passe mal. Comment on gagne la qualité? Tu fais pareil. Tu vas jouer dame B2. Tu prends F1 et. Non, pardon. F3. Ouais. Et G3. Dame B2. Dame B2. Et donc là, ici. Ah là, faut calculer. Là, c'est compliqué là. Ouais. T'as la case 5. Tu ressors. Vas-y. Tour prend E. Mais j'aime pas trop ça quand même. Non? Ça sent l'aventure, je sais pas, cavalier H5, tour G7. Et là, je sais pas. Il y a quand même... F2 n'est pas recommandé à cause de dame prend G2. Tout d'un coup, ça se réveille. Mais là, mais là par exemple. Pion prend D6. Et si tu échanges tout et que tu fais pion prend. Non, c'est très compliqué ça, non? Ouais. Non, mais si tu échanges tout, que tu prends, t'as tour échec, tour C7. Et même ici, regarde, cavalier prend G3. Admettons. Tour prend. Ouais. Cavalier prend. Le pion F4 va tomber. Qui est mieux ici? Le pion F. Le pion D5 va tomber aussi. Ouais. Donc là, j'ai la réponse à la question. Qui est mieux? Ouais. Qui est mieux et pourquoi? Donc les noirs sont mieux. De toute façon, les noirs sont mieux. Donc il faut choisir entre. C'est jamais évident ce genre de situation. Allez. Tu sais ce qu'on fait ici? Non. On fait. On revient sur la partie? Non. On fait un petit truc comme ça. Ah oh, non. En appuyant non, sur on deux touches. Non. Ah, si. Voilà. Et on est là en train de cahier et après. Ça tue le charme de. Bien sûr. Et non, mais ça non. Au moins on a l'idée de savoir. Voilà. Cavalier prend E4 et tour C4 effectivement ne gagne pas. Non, on le fait pas. Seulement dans les cas où ouais, extrêmement... Ouais, ça tue la créativité. Moi, je fais plus. Ouais. J'ai,
Mais Magnus Carlsen m'a appris qu'il fallait pas regarder, il fallait pas regarder jamais avec l'ordinateur les parties en direct, c'est toute la créativité. C'est exact. Mais j'ai pas, je m'en souviens. Mais c'est ce que fait Maxime aussi. Il a dit qu'il veut se prendre la tête. Maintenant. Je regarde un petit peu. Si jamais c'est une position qui me semble problématique, où j'ai l'impression que j'ai comme un challenge à résoudre. J'y vais. Sinon, à la base, c'est quand même. Il est jamais branché, le module. Mais des fois, je veux vraiment savoir si le truc bizarre que j'ai regardé, c'est ça. Et là, apparemment. Je comprends par curiosité. Voilà. Je vois que tour C4 que et tout ça, c'est tous les coups. On passe tellement de temps maintenant devant l'ordinateur à regarder les évaluations, je ne conseille pas aux internautes. Ouais, allez, Alt F2, on repart. Parce que malheureusement, pendant la partie, on est tout seul. Ouais, malheureusement, heureusement, sinon ça serait beaucoup moins amusant. Okay. Donc là, on doit avoir encore la main. Si tu refais contrôle U, on va voir si tu as des trucs de jouer. Elle a fait F3. La F3 qui est un coup qui semble raisonnable. Alors, on a envie de. Enfin, j'aurais envie de faire ça. Comme ça. Pour attaquer le pion H3, comme le montrent nos amis de chess base. Non, mais là, c'est fini. Là. Roi H1. Oui, la dame H4. T'abandonnes tout de suite en fait. T'as manqué le coup. Roi H2, tour G3, menace mat déjà. Comment? Tour prend H3, puis on prend dame G3, okay. Échec. Tour C2 alors. Voilà. Défendre latéralement contre les Estaliennes. Ouais, je passe tout le tour. C'est vrai que. C'est pas très dur à jouer hein, pour les noirs. Tu remenaces mat? On remenace mat, comme ça par exemple si les blancs. Hop, on va montrer. Tour prend, pion prend, dame G3, roi H1, dame prend H3, tour H2 seul coup, tous les seuls coups, roi G1, et... Plutôt que dame prend F1, dame prend F1. Elle a fait dame F3. Hein? Plutôt que dame prend F1? Plutôt que dame prend F1, mat tout de suite, qui avait une G3 échec, c'est pour être bien sûr. Ah oui, j'ai pas vu. Pour être bien sûr. Toujours mieux de... Non, mais là, c'est écrasant. Là, ici, ça gagne même plus rien du tout. Et le cavalier, qu'est-ce que c'est que ce... Tu vas perdre un H3, là. Et puis, comment tu profites? C'est pas une position facile à jouer, il faut avouer. Il faut reconnaître. Mais en plus, après roi H1, comment tu défends? Attends, tu peux pas défendre la case G3? Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre pour comparer? Ah si, elle peut défendre, elle peut défendre, elle peut défendre. Elle peut défendre, par cavalier E2. Cavalier E2. Voilà. Provenance à son idée. Et là. Alors. Ouais, là, il commence à y avoir des tours prend G2 en plus. Tour prend G2, je vois pas comment ça marche, mais. Avec cavalier G3 là? Ouais. Non, je crois pas que ça marche. Et tour. Au feeling, je dirais que ça marche pas, mais bon. Ah ouais, cavalier prend F3. Tour G1 peut-être. Ouais. Bon, ouais. Aussi ça. Non, bah ça marche pas. Non. Donc t'as cavalier G3 aussi. Non. Échec. Ouais. Mm-hmm. Cavalier prend. Cavalier tour prend. Et donc là faut faire un coup de tour. Hein. Ouais. Donc là, est-ce que ça se passe tout? C'est la partie. Est-ce que tout se passe par H5? Alors attends, tour prend, pion prend, dame prend, roi bouge. Et tu peux intercepter en G2, ouais. Donc... Pas si clair. Cavalier H5. Ouais, cavalier H5 encore, mais bon, il manque un cavalier. Hein. Ouais, là tu vas peut-être pouvoir jouer ça en temps. Ah non, non, non. Là, oui. Alors, tour prend. Ici? Ouais. G3 échec. Cavalier prend F1 et tu... Ah non, ça marche pas ça. Dame prend. Je comprends pas. Dame prend, je fais un coup de... Hop. Dame échec, roi bouge. Enfin, il manque pas... Alors, si t'avais la tour en G8, bon, reprends en D6. Tu vas voir. Reprends en D6, non. Je suis trop... Dame C1, oui. Et dame C1. Faut échanger des pièces. Tour C8, la menace. Ouais. Alors là... Pas si évident, parce que... Là, tour G8. Il manque une pièce, non? Tu peux pas faire tout ça. Si, je... Tour prend H3. Bien joué. Je fais quoi?
Si je défends. Non, oui, c'est vrai qu'elle est pas très agréable cette position. Hein. Et même, je pense que si tu mets l'autre tour pour menacer cette fois la cavalier G3 échec, c'est aussi super grave. Ouais. Peut-être comme ça. Je vais te faire roi H2. C'est pas très gai tout ça. C'est peut-être, ouais, c'est moins efficace. Non, mais bon, l'autre, ta tour G8, t'arrives à, tu mets la tour gratuitement. Ouais. Alors qu'il n'y a pas de tour. Il y a tour point H3, il y a voir. Qui est pas très. Je vais te montrer. C8, tour point H3. Ah oui, c'est le même match. Ah oui, mettre immédiatement. Roi G1, tour H1, mat. La dame, tour H4. Ouais, donc position très compliquée pour les blancs. Il y a le Zeitnot. Voilà, dame G3, elle a fait roi H1. Donc ça c'était le coup attendu, voilà, dame H4. Très belle position pour les noirs. Bon, mais ça serait bien. Non, évidemment je suis un peu... pas tout à fait impartial, donc ouais, ça serait une belle fin de tournoi quand même. Je crois qu'elle finirait 3ème. C'est pas ce qu'elle était venue chercher, mais c'est mieux que rien. Ouais. Donc on peut regarder d'autres parties. Ouais, bah, en fait, voilà, il y a deux autres parties. Hein. Je sais pas, il y a comment il s'appelle. Maïsouradze, il faut regarder Maïsouradze. Ah, Maïsouradze, oui. Et bien sûr, alors il faut fermer d'abord la fenêtre. D'accord. Là, fermer l'échiquier. On ferme ça. On ferme celle-là. Comment on ferme? Ouais. Pardon. Je ferme là? Ouais. Et ensuite, il faut appuyer là. Je vais te laisser fermer. Ouais, bah là. Et tu. J'aime bien avoir la souris, en fait, mais. Tu fais ça. C'est juste par habitude. Alors, ok, un Gambida, ouais. Ah. Gambida lambda. Ouais, enfin, c'est bien contrôlé. Donc, caille 4, c'est prendre les 4. J'ai déjà joué cette ligne. Là, bon. Voilà. 7, c'est un Gambida, ou. Voilà. On prend les trucs sur F7. Cœur isolé. Elle joue tour à D8, tour C7. Pour les fou à 6. Ah, voilà. Pas une bonne version. J'en discutais avec. Yannick Gozzoli dehors, peut-être sur x6, tour E3, je pensais. Ou dame D2. Et il y avait. Tour E3, menace tour F3. Hein. Et prime F7, je crois que ça marche pas très bien. Ouais, et il y avait un autre coup qui était possible ici. C'est dame F4. Parce que sur carré prend F7, il y a dame prend C7. Parce qu'il m'a été signalé. Pas là. Au lieu de x6, ce qui fait pauvre coup. Quand même. Cavalier est là. Et là, contre-jeu sur D4. Pas clair. Peut-être dame H5. Quoi. C'est bon. Ça fait peur. Dame H5 et. Bon, là, il va falloir réagir. Mais là, il y a quand même beaucoup de choses. Là, tu donnes le pion finalement quasiment. Là. Par exemple, et si je joue plus simple, si tu reprends B7, ouais. Parce qu'elle est protégée, tu reprends D4. Ouais. C'est ça, dame F3. Ah, ouais. Tu prends juste. C'est ça, et tour D7. C'est ce que disait Marie. Elle disait ça. Cavalier prend, tour D7, et dit moi je fais nul en sifflotant. Ouais. Puis on prend. Bah voilà, c'est bien, puis on prend. Tu fais pas si nul en... C'est pas si facile de faire nul en sifflotant. Avec les deux pions passés, ça va être compliqué. Tu vas siffloter peut-être, mais disons que ça va être deux pions passés liés. Ça fait... Pion prend, c'est bien. Ouais. Pion prend, c'est matérialiste. Ça détruit un peu la structure, mais c'est pas mal parce qu'il n'y a pas de oui, et couloir. Oui, puis en plus, il n'y a pas de couloir. Et puis redoublé, là, c'est pas très grave contre une majorité. D'ailleurs, la finale 4 contre 3. Finale de tour 4 contre 3 comme ça, c'est pas toujours, c'est pas évident. Parce que c'est pas facile de se créer un pion passé. Ouais, ouais, voilà. Bah, on fait ouais. Roi G2, H3, c'est pas évident. Ouais, ouais, ouais. Et là, on perd le pion, je pense. Juste, on perd le pion. Parce que tour A8, c'est pas possible à cause du pion F7. Ouais, et cavalier C8, il y a prise en F7. Ouais, C8. Il y a même prise en B5. Ah, oui, c'est mieux. L'équivalence. Et là, faut essayer de faire un fou A4, un truc bizarre. Ouais, un petit fou A4. Ouais, peut-être fou A4. Des chances de nul, ouais, quand même. Il y a tour point F7, bien. Que... Mais bon, ok, c'est désagréable pour les noms. De toute façon, on prend tour point A3. Même ça, c'est très désagréable. Avec une tour sur un 7ème, je passe KC6. Ok, il y a un peu stabilisé comme ça. Peut-être c'est pas si clair. J'ai aussi tour point F7 qui peut être désagréable. Mmh. Ah non. Tour point, fou prend E6, il y a fou E8. Mauvaise surprise. Peut-être alors x4, mais il y a des chances de nul. Quand même. Mmh. Bon.
Mais on fait pas, ouais, on n'a pas envie de défendre ça. Enfin, je sais pas. C'est pas quelque chose qui. Non, mais enfin, voilà. Dame G4. Bon, est-ce que c'est si grave? Dame G4. Maintenant, ça permet de jouer Cahier des 5. Cahier des 5, donc tour des 7, elle a fait. Ah, alors. Donc la tactique, ça marchait pas comme ça. Prends, tour prend, Cahier des 7 et la Dame D8. Fourchette, mais Dame D8 qui tient tout. Dame D8, voire Dame E7. Voire Dame E7. Ouais, très bien, Dame E7 aussi. Ça marche pas du tout. Donc tour D7, Dame F4. Et oui, là, si elle perd son avantage de la tour sur un 7ème, elle a plus d'avantage et elle reste de son tour avec le pion isolé avec une faiblesse. Tour prend, Dame H5. Ok, mais. Non, là, c'est pas bon, ça marche plus. Ouais, pas assez de pièces. Bon, il y a encore un petit souci à régler sur. C'est pas vraiment un souci en fait. Parce que les blancs menaceraient en fait. Sur G3, il y aura toujours Dame F6. Non, les noirs vont commencer presque à être mieux ici. Une fois que le fou sera replacé sur une diagonale à peu près. Un peu plus convenable, disons. À 8 H1. Ouais, et là, est-ce que tu peux même jouer G6? Est-ce que ça marche? T'as l'air chaud, hein? Ouais. Mais comme il y a le mat en C1, peut-être. Alors, si on prend. On prend, ouais. Prend H8. Et ça va. Comme l'autre. Et là, tour. Ouais. Comme Karl Sennier. Tour F8. Non, c'est très bien pour les noirs. C'est bien pour les noirs, ça. Ouais. Mais là, tu perds des trucs, là. Enfin, les pas toi, mais. Ouais, les blancs. F3. Dame prend des 4 échecs. Eh oui, mais là, il y aura un problème, non? Il n'y a pas cavalier F6. Cavalier F6, Dame E7, j'avais pensé. Ok, quelques arnaques, mais qui n'ont pas entendu. Non, là, elle a manqué le moment. Ouais. Donc, ma sœur Alzire risque de gagner. Oui, je pense que si jamais elle a l'occasion de faire nul, elle fera nul. Oui, bien sûr. Dans ce genre de situation, oui, c'est toujours. Oui, enfin, de gagner le tour. Oui, oui. Parce que je crois que justement, et c'est là où ça peut être intéressant, d'aller jeter un œil, ça se passait très mal. Je crois que si elle gagne, elle gagne le tournoi, on va en entendre parler. Si je peux me permettre. Ouais. Non? Oui, c'est possible. Je fais. Je ne suis pas médium encore, mais c'est mon sentiment. Donc G6. Qu'est-ce qu'elle joue là? Ouais. De toute façon, il y a un roi G7 après, et puis là tu peux abandonner les combines. Donc, Dame H3 peut-être, mais bon, ok, c'est pas terrible. Ok. Donc ça, c'est pas terrible. Peut-être une autre partie? Ouais, bah justement. Au Cerno Boulanger. Osserno-Boulanger. Donc c'était la catastrophe pour Cécile Osserno. Et est-ce qu'elle a trouvé des trucs? Alors. On voit pas qu'est-ce qui s'est passé. Ah, d'accord. Voilà. C'est toujours la cata. Les pions. Ça donne quoi les pions? Deux pions d'avance. Tu comptes vite. Attends, il y a deux ou trois pions d'avance? Deux. Trois, et deux, cinq, et deux, sept. Tour prend, dame prend, ouais. Donc là, c'est juste une question de technique. Et. Pas très compliqué. Non, là, elle est un peu. Ouais. Non, c'est fini, là, elle va gagner. Ouais. Juste un coup dame de fou. Dame à trois? Ouais, ou fois trois, n'importe quoi. Dame à trois, c'est pas. Juste, on n'arrive pas à créer. Il n'y a pas une menace. Là, c'est terminé. Et bien, donc voilà, donc une victoire de Boulanger qui va finir deuxième. Donc. À moins d'un craquage de Nino, parce qu'hier, quand même, contre Malassagne, elle est en train de gagner le pion B7, et elle a mis le mauvais cavalier pour le prendre, et elle a juste donné son pion B7. Ah, d'accord. Elle l'a donné. Ok. Donc. Bon, elle a pris B7 bien sûr, mais elle a donné ce pion B6. Alors, elle gardait B6, elle prenait B7, et évidemment. Et donc, Garamian, il joue pour la troisième place contre Roser.
aussi, je voulais voir ça. Voilà, aussi un peu, non, c'est pas Stainless différent, mais bon, c'est un peu le même genre qu'un mien. Enfin, bon. Pas tout à fait, mais voilà. Donc, ok. Voilà, tout ça, c'est très, très connu. Non ? Je t'ai vu jouer comme ça, non ? Ouais, ouais, ouais. C'est, je assez curieusement, hein. Assez curieusement, c'est bizarre, je me suis rendu compte que cette position était même moins bonne que les Espagnols d'échange. Ouais. Parce que j'ai pas trop compris. Parce qu'on dit la paire de fous, machin, ceci, cela. Mais là, les noirs vraiment. Oui, mais le fou de case blanche. Ouais. Enfin, blanche. Tiennent vraiment facilement. Quoi. Oui. Il a, voilà, il se détourne. Ah oui. Non, mais là, ça va pas très bien. Donc là, ouais. Donc Kevin Rother, il essaie de jouer. C'était un peu dur ce tournoi pour lui. Donc, évidemment, en plus, après, on devient la cible. Ce qui est encore plus désagréable. Ouais. Et là, à mon avis, il n'a plus beaucoup de temps. C'est probable. Non, parce que tu sais, contre Christian Bauer, il avait une position épouvantable. Il avait du temps. Oui, il joue assez vite en fait. C'est pas ça son. Ouais. Il craque à un moment. Non, voilà. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit énormément quand il est mieux. Ah, d'accord. Et c'était le cas dans toutes ses premières parties. J'ai pas trop fait attention, mais. Et après? Là, quand il doit sûrement être capable de jouer des. Là, c'est quand même très difficile. C'est-à-dire qu'il tient bien les ouvertures, il est assez bien préparé, mais dans les milieux de jeu assez compliqués, il tient pas l'attention. Ouais. Non, j'ai remarqué ça. Ouais. C'est un peu, il craque toujours. Là, tu es quand même super mal. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Mais bon, dame cavalier, ok. Tu peux même pas jouer dame F6, je crois pas. Le roi sort tout de suite et tu piques F6. Non, t'arrives où? Vu que t'arrives pas à... Je sais pas, il faut regarder clé E2. Ah, la petite pointe. Il faut regarder. Mais G5, ça pas. Je crois pas que ça marche. Hein. Je crois qu'on peut. Ah, si clé E1, clé F2. Non, mais là, il suffit de jouer le fou. Hein. Après cavalier et machin. T'as le roi en D7. Dame prend. Mais là, il y a dame C4 qui menace. Ouais, non, mais là, ça va pas. Là. Il faudrait amener le cavalier en G5. Ouais. Alors, roi D7, cavalier E2, tu joues le fou. Puis là. Bah, je fais cavalier F4. Ouais. Ah. D'accord. Cavalier F4, roi D6. Trop juste. Non, on peut pas faire. Il faut, c'est le roi, oui, qui est embêtant. Parce qu'il va faire un coup de dame E7 à un moment et tout d'un coup il menace. Même dame C4 là. Dame C4, ouais, dame C4. Dame C4 en plus, tu. Dame C4, dame E5. Ok, je passe. Dame C4, dame E5, d'accord. Il va falloir que je joue B5. Oui, je vais faire quelque chose. Ok, disons que je joue un coup. C'est pas évident de jouer un coup, c'est ça le problème. Ouais, et si ça c'est se fait. Les blancs doivent attendre. Roi C1, tiens. Ok, dame C4, tu dis. Ouais, ça me semble bien, ouais. B5. Ouais, mais là je m'en sors, je pense. D'accord. Et donc là, parce qu'il y a à cause du mat en. Maintenant, il y a la dame, je pense que je vais faire mieux. D'accord, donc je souhaite être plus rusé, je sors le roi. Ouais. Non, non, mais là, il faut que je sois. Non, non, mais c'est un rusé, Il va jouer un coup comme B5 ou roi B7. B5 ou roi B7. Donc roi C1, roi B7. Ou B5. Est-ce que tu peux déjà y aller avec B5? Parce que là, c'est pareil. B5, B4, B3, et après ça va être quand même emmerdant. Et tu utilises ton cavalier. Je mène mon cavalier en D5, je suis obligé parce que sinon. D'accord. C'est trop dur. Donc, ou alors cavalier E2, peut-être maintenant tu m'as donné cavalier E2, dame C4. Je vais avec le roi. Ouais. Solide. D4. Beaucoup de dames. Mais ça ressemble plutôt, pour moi, ça ressemble plutôt à nul, objectivement. Ouais, et là fou B5, c'est pas sûr. Fou B5, c'est fou dame B5. Dame C3, échec. Et ouais, j'avais pas vu dame C3. Mais bon, on fait comme si on avait tout vu. En D1. Ouais, et là, fou D7. Hop. Attention, il montre les menaces à chaque fois, c'est désagréable. C'est 6, je suis attention. Et là, je fais. Ouais, et là. C'est pas clair. Et là, je fais. Pas facile aussi. Je fais.
fait C5. Ouais, mais la cavalier au dos. Ah, je sais pas, dame pour moi, je trouve. Non, je pense que c'est pas si... Ouais, mais là, là pas... ça... Ok, ouais. Je comprends que ça tient, mais c'est toujours comme ça, le roi est pas... En plus, quand tu fais B5, t'affaiblis le... Ouais. Non, le but, évidemment, les noirs, ce qu'ils veulent ici, c'est changer. Parce qu'après, la majorité a le dame et le fou de casse blanche, quoique, c'est même pas sûr. Non, je pense que dame cavalier, quand même, un tandem toujours intéressant. Et les pions G5 H4 quand même, il a réussi à bien fixer. Donc des chances de survie. Tu... Ouais, là je... Un pari en direct. Un pari en direct, je parie qu'il ne survit pas. Okay. Qu'il va se faire qui va... On verra, bon allez, je parie qu'il survit. C'est plus que ça. $1 million. $1 million, allez, ça marche. Ok, donc on ferme la fenêtre. Et maintenant, je vais m'en aller pour trouver des conseils à Kevin Roser. Non, je plaisante. Et peut-être Almiraz, je voulais revenir. Almiraz, c'est terminé ? Eh non, c'est pas terminé. Hein. Donc voilà, on a été là. Voilà, elle a fait ce qu'on a dit. KE2, tour G7. Ah. On pensait KG3 plutôt, mais tour G7, pas mal quand même. Hein. Ouais, elle veut pas montrer tour G1, tour G8. Dame D3, de toute façon. Ouais, elle va être bonne là, quand même. Alors. Comment on continue? KG3, non? J'ai envie de le faire. Hein. Ouais, mais t'as. Est-ce que. Et si tu. Si tu. T'as, est-ce que tu peux essayer de. Est-ce que tu peux réussir à faire un truc avec la tour sacrifiée? Je joue KG3. Ouais. Très bien. J'aime bien qu'il y ait G3. Mais il prend, tour prend, regarde, tu vois. Tour prend H3 mat, et si tour C2, E4 maintenant. Et... Dame en D3. Mauvais coup. Ouais. Non, si mauvais que ça, dame D4. Ouais. Tu prends F3, et sur K prend F3, il y a tour prend F3. Et on prend. Puis on prend, ah ouais, H3, et est-ce que ça marche? Ouais, je sais pas. Enfin, déjà, tu perds pas. Un pont, et là, tu mets une tour en G2. Oui, celle-là, d'ailleurs. Cloué. Et dame F1, il y a dame G1. Déjà, tu perds pas, pas sûr. Ouais. Tout à fait. Pas sûr, pas sûr. D'accord. Quoique, si, sûr. Parce qu'il y a beaucoup de pions. Quoi. Même comme ça, ça marche pas. On va la perdre à 3 pions, bon, ça va faire mieux. Ouais. Ok, donc elle a dû jouer tour G3 d'abord. Tour G3, donc tour C2 maintenant, seul coup. Tour C2, seul coup. Mmh. Non, c'est pas un tour pour H3 menace, dame F1, mais c'est un peu. Une fois de plus, c'est. Ouais. Ouais, puis ramener le cahier en G4, ça sert à rien. Si. Ah, tu viens en E3, si tu viens en G4. C'est peut-être c'est intéressant, pas mal, ça. Bien vu. T'es enfant, hein. Faut que tu joues. Ah, mais moi, c'est parce que j'ai vu vos parties. C'est normal, j'ai vu des G4, super parties. Quelle forme. Là, il va donner la... Ah, non, tu joues pas. Hein. Hein. Et tu reprends H3, Matt. Hein. Eh ouais. Ah, dame prend H3, même. Dame prend H3. La beauté du geste. Dame prend H3, c'est mat. Le roi sort pas. Ah, mais non. Ah, si, G2. Le roi sort. Tour H2, roi F1. Mais non, c'est pas mal. Je vois plus rien. Cahier prend, tour prend, dame F5. Bien joué, dame F5. Pas vu. Ouais. Mais dame si. F5 et cavalier G4. Un poker au thème, pion. Non, cavalier G4. Waouh. Pion prend G4. Tour prend H5. Et c'est mat. Et menace. Menace cavalier F2 et tour prend. Menace cavalier F2, menace cavalier E3. Il faut donner la dame. Cavalier G4, allez. On va crier. KG4, très bien vu. Très bien vu, KG4. Là, il n'y a rien qui sauve, hein. Même si on donne la dame, c'est la même. C'est la même en couleur. Ah oui, en plus. Ouais. KG4, abandon. KG4, oui, vraiment abandon, je crois. Eh ouais.
Et sans module. Ah, cette position, ça te... ouais. Cette position, elle est inspirante quand même. Ouais. C'est-à-dire, putain, t'as pas l'ombre d'un contre-jeu, des casses partout. C'est juste ce genre de position, justement, avec le... T'as l'impression que c'est un problème. Ouais. Et là, ça vaut le coup de réfléchir. Après, quand ça devient trop compliqué... Ouais, donc faut qu'elle voit qu'il y a G4. Ouais, je pense que... Pas sûr, mais bon, parce que quand il prend les 5, il est tentant aussi. C'est ah ça, oui, c'est ça le problème. Truc, ouais. C'est sympa de prendre la pion. Parce que la dame peut toujours pas bouger. Dame 6. Il n'y a toujours pas de dame prendre les 6 à cause de. Toujours la même. Hein. Bon, elle peut faire ça. C'est ça, ouais, je pense que c'était ça. C'était un peu l'idée. Mais cavalier 3. Ouais, c'est terminé. Tiens, tu vas essayer de repasser par le 5. Ça y est. 0-1. La truc est G4. Bien joué. Magnifique. T'es prêt pour le national féminin. Mais bon, là tu vas. Le niveau monte, attention. Le niveau monte. Alors. Pas sûr. Laurie. Bah du coup, moi, je crois que je vais pas tarder à aller manger. Allez, je suis vraiment désolé. Voilà. Ouais. Je vais te laisser. Ouais, oui. Bah, de toute façon, j'attends juste un résultat. Et après, moi aussi, je vais y aller. J'attends juste de célébrer la championne de France. Voilà. C'est ça qui intéresse. D'accord. Bon. Donc, je vois qu'au maximum, j'en ai 11h30 et 4. 11 et 4, 15h30. J'en ai, voilà, encore 1h15. Ok. Bon, mais bon courage. Ouais. Allez. Ouais. Bon ben voilà, ici je pense que aussi c'est... Il n'y a que les noirs qui jouent pour le gain. La menace, c'est cavalier F6, c'est tour prend D4, et en plus, il y a B2 d'attaquer. Donc, je vois pas comment on fait. Il y a peut-être mieux, même. Là aussi, c'est fini. Donc, allez, Nino Maïsoradze, championne de France. Ah, dame, est-ce qu'on peut jouer? Oui, on va mettre un truc en... On va mettre dame B3, alors. Allez, on va essayer de... Dame B3. Seul coup. Dame prend. Dame D3 à la joue. Elle a joué Dame D3. Dame prend B2. Ouais. Et est-il découverte? Mais je comprends pas parce que s'il y avait une découverte, il y aurait eu cavalier F6. Donc il n'y a visiblement pas de découverte. Le roi se sauve facilement. Ouais. En plus, il y a diverses mauvaises nouvelles sur tour F4, dame C1 échec et cavalier prend F4 échec et G6. Donc il va falloir faire tour prend E6. Et sur tour prend E6. Tour prend E6. Dame échec. Ouais, tu te sauves par D6, c'est ça? Et tour G4? Tour G4, cavalier F6. Tour G4 joué, donc cavalier F6 et voilà, c'est fini. Il y a aussi F5. F5, est-ce qu'il peut y avoir des contre-jeux avec des tours G6? Je pense même pas.
5, tour G6, ouais. Il y a KB4 qui arrive en plus, non? Ah ben voilà, KB4, c'est ce qu'elle a vu. Hein. KB4, allez, KB4 abandon. La seule question maintenant, c'est est-ce que Mino va prendre le point entier ou... Ah voilà, ben elle va prendre le point entier, les points ELO à ce niveau-là, ouais. C'est pas très... Elle va prendre deux points et les points ELO, le point de la championne et les points ELO, voilà. Et ça, cas de son adversaire, ça va pas trop gagnant. Ouais. Mais en plus, il y a des, tu peux même faire des attaques. Cavalier prend des 4, dame C1, cavalier en échec. Il y a même des, il y a même des trucs pas sympas du tout. Indépendamment de ça, t'es pas frais non plus. Tu veux dire la tour blanche. Voilà, roi F7. Tour prend échec, roi E7 et. Et roi F8 et cavalier F6 et il n'y a plus d'échec. Voilà, tour prend, roi prend. Dame prend F5, roi E7. Dame E5 échec, roi F8. Un échec, cavalier F6. Voilà, roi F7 c'est bien joué. Ça roi prend G6 au coup suivant. Alors, est-ce qu'il peut y avoir la dame qui va en dame E2, comme dame E2, roi prend, dame prend E6, roi H7, dame prend F5. Ah, on refait le tour par là. Mais sur dame E2, si jamais il y a défense à dame E2 avec l'idée dame H5. D'accord, sur dame E2, cavalier F6. Bon, ben voilà. Et là, il y a trois échecs et puis c'est tout. Allez, on remballe et on va aller bientôt. Là. On va le laisser, c'est ça? Il reste combien de temps? Non, 20 minutes, c'est pas la peine. Ne ferme pas, je vais arriver peut-être à la Championne de France. D'accord. Ouais. Oui, elle va sûrement venir. Oui. Bah oui, tu peux même aller la chercher là. Hein? Comme ça, je vais. Gagne la case des 3, donc fou B4, C3, fou là, gagne la case des 3. Et maintenant, il va y avoir dame D3, et puis E3, et voilà. D3, C3. Bon. Il y a aussi C4, dame A5. Contrôle la case D5. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre truc? La scène, on a inventé ce coup. Ça, France K le compte. Ah. Ça. Ah ben on est passé le 40e coup. Donc un début, voilà, début catastrophique pour Honda. Qui a une qualité de moins, mais peut-être. Non, les pions A sont doublés, le roi vient en A8 ou en A6. Là, il peut y avoir A6, roi quelque part, puis le roi il viendra en B7. Et là, on voit que la tour contrôle bien les cases, et ce genre de position, ça gagne tout seul. Ben, de toute façon. Fais attention, tour G4, cavalier E5. Mais ça gagne tout seul. B6 d'ailleurs, peut-être même peut-être carrément sur B6. Roi C8. Voilà, ça expose moins le roi et ça a tendance à libérer la tour. Bon, il y a F4 aussi. Bon, ça s'est plié.
5 Navratescu. Ah, c'est fini, d'accord. 0-1, donc fin de tournoi. Bonne fin de tournoi. Tandreïa, qui à un moment perdait 120 points et qui maintenant ne doit plus en perdre tant que ça. Elle finit à 2,5. Et donc, si ça se continue comme ça, elle laisserait sa cadette d'un an, je crois, Cécile Auxerrois, à la dernière place, bien que Cécile ait battu. Il y avait une partie qui était intéressante, c'est la partie très intéressante, c'était la partie. Voilà, c'est comme ça, la partie Bauer-Cornet. Oula. Ah, ça s'est pas bien passé pour Cornet. Eh oui, et Christian Bauer, le spécialiste de la. Le spécialiste de la qualité de moins. Ah mais ici on a beaucoup des pions. Waouh. Donc avec 4 et 2, 6, 4 pions pour la qualité, dont la paire de fous qui a ajouté un petit truc. Donc là aussi ça c'est fini. Sauf vraiment. Non, je ne vois vraiment pas comment c'est possible. Alors ça s'est passé donc ici. Roi D1, Cali F7. Dame prend E4, le coup de mari. Dame G5. Cavalier DF3, peut-être pas vu. Tour prend, cavalier prend. Cavalier prend. Tour prend D5. Cavalier H3. Roi G2. Fou C6. Tour prend D6. Attaque le fou C6. Donc pas de découverte. Tour prend D6, C prend D6. Roi prend H3, ah ouais, ça c'est la très très mauvaise nouvelle. G4, alors G4 et non pas cavalier G2. Sur cavalier G2, un coup comme, je sais pas pourquoi pas cavalier G2. Du contre-jeu avec G4. G4 ou H4. Bon. Mystère, allez. Nage quand je ne vois pas. Qu'est-ce qui se. Ah, ben cavalier G4. Cavalier G4, est-ce qu'il y a. Fou D7. Je le vois quand je. Fou D7 et fou D7 échec. G4, tour prend G4, ça je l'aurais pas vu, et tour F3 mat. Ouf. Ouais. Voilà, et c'est comme ça qu'on tombe dans le panneau. Mais Christian se méfie. G4, tour prend G4, G prend H4, roi prend H4. Et là, ici, c'est... Tour prend D6 pour la seconde fois. Si c'est fini, bah, il va rien rester même. Il va rien rester d'intéressant. Voilà, Delors Maïsuradze, c'est fini. On va regarder la fin. Un échec. Fou H7. Voilà, donc Nino Maïsuradze est tout à fait officiellement championne de France. Ça c'est fini. Mazé Chaban, qu'est-ce qui se passe ici? Mazé Chaban. Ah oui, ça c'est une partie où il y avait une attaque compliquée à mener. D'accord, donc là, ça sent pas très bon non plus pour. Sébastien Mazé.
à moins que il y ait. Oui, c'est pas si évident quand même. Ah, mais il y a G4 en prise. Ouais, parce que si. Donc il faut garder le pion en F5. Il faut essayer peut-être de jouer un coup comme. Ouais. Pourquoi ne pas prendre E6 ? Dame E7, dame quelque part, dame prend G4, et sur tour A2, prise, dame en G2, tour A, prise, et dame prend G4, échec. Et le roi, de toute façon, sort par G6, donc il faut absolument garder le pion. Dame H2, bien sûr. Le pion en G, qui assure même le perpétuel. E5, tour A2. Tour prend A2, dame B6, pas d'entrée sur la colonne. Cavalier D2, roi F7, cavalier F3, roi E7. Aucune pénétration possible et ce cavalier peut passer par où ? Ce cavalier éventuellement peut passer par H5. H5, G7, E6. Voilà. Donc à ce moment-là, là la dame, toutes les cases sont contrôlées. Cavalier D2, cavalier F1, cavalier G3, cavalier H5, cavalier G7, cavalier E6. Et qu'on est en E6, qu'est-ce qui se passe ? On est en E6, commence à y avoir des C5 peut-être. Et dame C2, C5. Bon, ça, ça va manœuvrer comme pendant des heures. Et donc, est-ce qu'il sépare H6, F6, dame H2 ? Est-ce que c'est plutôt une question qui ne s'est pas méfiée ? Ah oui, on ne peut pas jouer dame A7 parce que le pion est là-bas. Donc, prise. Prise en F5, ça a l'air tendu. E5. Et là, tour là. Ça, c'est... Tour là. Sur tour B1. Dame. Menace dame A6, dame B6, cavalier 2, roi F7, cavalier F3, roi F7, et là il se dirige vers G3, alors que c'est pas du tout évident de voir même ce qu'on fait. Enfin, ça reste complexe. Bauer Cornat, c'est fini. Voilà, 4 pions. Donc, oui, ça se plie bien pour Garamian, du coup, qui va sans doute être 3ème. Alors, regardons. 40ème coup est passé. Roi à 6. Nous accueillons la double championne de France, Nino Mazuradze. Allez. Bravo Nino. Merci. Non. Tu veux te mettre où ? Tu veux te mettre ici ou là ? Non, ça me convient. Ouais, mais si, ce qui manœuvre la souris ? Ah, faut que tu veux jeter les choses. Non, mais vas-y, manœuvre la souris. Non, mais de toute façon, il y a le flèche aussi, on va partager. Non, mais c'est pour montrer. Oui, voilà, c'est, elle est neuve. Donc, c'est où la... Alors, avant de parler de technique, Nino, parle-nous de ton deuxième titre. Ouais. Tes impressions, sous le coup de l'émotion ? Je ne sais pas, je suis contente de gagner le titre. Là, comme j'avais d'avance, il fallait juste assurer. Donc, c'était pas non plus hyper surprenant de gagner le titre. Quoi. Ça fait quand même quelques jours qu'on a un doute. Et puis, je ne sais pas. Bon. Ça fait du bien pour les gens qui ont des doutes sur moi. Donc, du coup, je ne sais pas. Tu parles de ta qualification en équipe de France, par exemple. Voilà, je vais espérer. C'est une petite revanche, c'est normal. Je vais essayer de ne pas gâcher mon classement à mois de certains d'avril pour me faire recruter en équipe de France. Quoi. Okay. Mais bon, on verra. Enfin, voilà, donc, de toute façon, je suis contente que c'était en plus une meilleure participation cette année que l'année dernière. Et donc, ça peut changer pour moi le résultat, a priori. D'accord.
On peut préciser pour les auditeurs que tu as eu un début difficile en fait, parce que tu es arrivé à Nîmes sans hébergement, tu t'es fait un petit peu escroquer, donc tu as eu quelques oui, les premières journées. J'ai eu des histoires bizarres, effectivement, une sorte d'annulation de ma réservation au niveau des hébergements, donc je suis restée presque dans la rue. Ouais. Donc c'est bien, t'es battu jusqu'au bout. C'est bravo. Joël, donc voilà, je profite pour dire bon, enfin, merci à Joël encore une fois, Joël Moore qui m'a hébergé pour une nuit dans son hôtel. Avant que je trouve l'autre tête. Donc, la partie aujourd'hui, donc je décide de faire solide. À cette ta partie, tu t'imagines qu'on l'a regardé beaucoup. D'accord. Parce que en plus, bon, on n'a rien eu à regarder dans la partie. D'accord. Fraissinet-Bacro. Oui, ça c'était hallucinant. Voilà, on n'avait pas grand-chose à regarder non plus dans la partie Boulanger-Auxerneau. Donc on a passé vraiment beaucoup de temps sur ta partie. Bah dans ces cas, tu devrais connaître qu'à un moment donné, j'ai joué vraiment pas pressé. Donc, parce oui, qu'il alors, y avait pression, moi, tu peux, inutile. Et j'ai eu des... Tu sais que sur ta partie, il y avait pas... Il y a eu quand même eu plusieurs grands maîtres qui se sont penchés sur ta partie. D'accord. Laurent Fraissinet, ah bon. Marie Sebagne et moi. Ok. Bon, j'ai déclaré directement que le début, j'ai pas du tout bien joué à certains moments. Parce que, enfin... Je ne sais pas s'il ne voulait pas, par hasard, tout échanger, faire nul quoi, par exemple. Eh bien, ça, c'est très bien, ça. On imagine que ça, c'est pas possible. Parce que ça te convenait tout à fait. Oui, oui. Mais vu que, justement, il a pris ici avec et prend D, ben, j'ai compris qu'elle ne jouait pas du tout sur le nul. Ah oui. Donc là, je me suis dit qu'il fallait faire attention. Et ici, je crois que c'est là que j'ai commis une imprécision, peut-être, déjà. Je ne sais même pas. Parce qu'il y a quand même une pression après la prise. Ce n'est pas très agréable. Bon, ça va. Bah, disons qu'ici, c'est un peu normal de faire fou prend, puis on prend et fou c'est 6. Mais est-ce que tu peux être un poil moins bien ici? Moi, j'y crois pas. Mais Marie disait peut-être, parce que cavalier D6 ne marche pas. Hein. Cavalier D6, il y a MG5. Oui, oui. Voilà. Donc là, fou prend, puis on prend et fou c'est 6. Non, vous savez, c'est un peu difficile cette partie au sens où quand on sait que nul nous arrange pour devenir champion, on a tendance plutôt à simplifier la position alors que c'est pas correct, il faut jouer normal quand même. Mais, ouais, mais... Par exemple, là j'ai plus penché si je prends un échange tout, les dames, etc. Alors que là après la finale, bon, il y a peut-être pression. Bah, fou prend, puis on prend fou c'est 6, ça oblige dame prend dame, puis oui. Après qui avait aidé, je sais pas. La ça... question est-ce que par hasard il n'y a pas dame G4 ou un truc comme ça qui évite les échanges Fou B5. Mais ici, en alors, tout cas, prend, c'est une évidence pour moi que j'ai fait quelque chose de pas C6, pas dame. Ah bon, alors là, je sais pas, ici, tiens, regarde. On va juste échanger, quoi. Non, mais même il y a fou prend 4. Au niveau des colons, oui, c'est ce que je dis. Mais il y a les colons, mais bon, ça va égal. Enfin, il faut encore jouer juste. Enfin, c'est pas. Non, mais regarde, t'es parfois, t'es il y a un petit peu de pression. Zéro. Non, zéro si on fait le bon coup. Oui, mais c'est ça le truc. Il faut quand même dans cette position être précis, chaque fois. Voilà. Cavalier D7. Mais les noirs sont normalement. Voilà, cavalier D7 attaque E5. Okay. Mais voilà, il faut. Par cavalier F6. Oui, 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 tout à fait. Et fou. Tour d'un. Avantage noir. Ça y est. Oh, bon, allez, fou prend E4. Fou prend E4. Dame prend E4. Et là, la dame. Non, ça, c'est pas une bonne idée parce que ouais, on voit qu'on voit que ça va. Non, non, c'est ce que je t'ai dit, on n'a pas droit à une faute dans cette position. Mais oui, mais bon, ok. Je vais. C'était pour voir. Voilà, non, en tout cas, ça, j'ai pas aimé mon fou B5. Il reste les pressions et j'ai à peine. Alors, voilà. Donc, fou B5, oui. Fou B5. À mon avis, c'est douteux. Fou B5, ça permet ça. Voilà. Parce que j'ai voulu les prendre au coup suivant sur B5, oui, mais après, c'est trop exactement. Tard. Exactement. Voilà. Compris. La tour D8, tour échec. Ah, ben là, j'étais obligé de laisser cette tour. Regarde. Si j'ai fait le truc. Ah non, mais là, ça, c'était obligé. Si ça. J'ai fait ça, il y a énormément de tactiques. Je crois que là, j'ai un gros problème avec les prises. Oui, exactement. Je ne sais plus comment d'ailleurs. Comme ça. Comme ça. Et je ne peux pas reprendre avec la tour déjà. Bon, facile quoi ça. Peut-être je peux d'ailleurs. Non, peut-être tu peux et la donner. Oui, la dame. Il fait tout le temps vérifier. Non, la dame ici. Oui, oui, j'avais calculé ça, mais ça ne marche pas bien d'ailleurs. À mon avis, ça ne va même pas marcher parce qu'il y a trop d'activité, je ne sais pas trop. Bloque un plan, oui, ça n'a pas l'air. D'intermédiaire par hasard. Voilà, dame à chien caché. Ah ben voilà, c'est pour ça que j'ai perdu. J'ai correctement vu. Yes. Parce que. Justement, ah, mais là, il y a le fou en prise. Oui, oui, oui. Ah, bah voilà, c'est pas la peine. Dame H5, j'ai à peine vu à la fin. Quoi. Mais oui, oui. Tout voilà. Moment, et du coup, là, j'ai déjà un gros problème parce que il faut faire le. Ouais. Laisser la tour. Mais t'as pris, on dirait que t'as pris la meilleure chance. Tour AD8. Non, mais là, à partir de ce moment, je vous garantis, j'ai fait mon mieux. Là, j'ai compris qu'il n'y aura pas de nul dans cette partie. Il fallait faire le meilleur coup pour ouais, stabiliser la position. C'est bien ce que t'as fait. Donc, ça. Tour C7. Avant que.
avant je jouais à la légère. Là, parce que suis... sur alors, fou c'est 10, c'est une autre possibilité. Non, mais... fou à 6. Oui, mais fou c'est 6 aussi, le résultat. Ah, mais, ouais, mais fou c'est 6, rien mais... que cavalier prend et tour prend à 7, déjà, ça n'a pas envie. Oui, il y a des finales qui... Enfin, voilà. Bon, là, je prends au maximum le risque. Si ça passe maintenant, là, après un coup, je stabilise toute la position avec les dessins qui bloquent quand même. Mmh. Et là, bah, j'ai bien vérifié, à mon avis, il ne se passe absolument rien. Parce qu'à chaque fois, sur les prises, il sait trop que j'aurais peut-être directement même quand les dessins quelque part, je ne sais pas. Soit la prise, il faut calculer. On peut être dans ça, si tu veux. Ou, comme tu veux. Non, non, mais là, okay. Je ne comprends pas ce qui se passe sur Tour France. Non, il y a certaines idées, mais enfin... Ça Tour prend... Je ne suis pas sûr que ce soit bon. Peut-être plutôt tour D4, je pensais. Tour prend, bah, il va prendre, non, ici. Tour prend F7, d'accord. Et là ? Ah, et ici, tu as des problèmes avec tour E3, après, si tu prends avec le roi. Bah, moi, je... Ouais, mais c'est cette position que je ne comprends pas. Ça ? Ouais, je veux prendre, je fais... Ah, un... tu avais un dame... Ouais, ah, ça, dame prend, avec la... ah, il dit avec position. La tour, c'est mieux, en fait, ici. Voilà, je fais dame prend E6. Non, ici, il recourt intermédiaire encore une fois, je pense. Oui, voilà. C'est dommage que chaque fois problématique. Ouais, mais là... Et après, en fait, on a des problèmes, parce qu'on perd un cours de... Je sais pas, le... Là, c'est tellement citoyenne, je sais en pas. En F6. Mais bon, enfin, peu importe, on quelque part, on se prise. Dame G6, je suppose. Pour ramasser tous les pions, peut-être, c'est pas certain. Là, 3 ah, pions, dame G6. Ah oui, dame G6. 3 pions, quand même, tu sais, c'est... D'accord. Non, non, mais là, avec les pions libres... Non, mais voilà, je me suis quand même torturée dans cette partie, parce que j'ai laissé l'adversaire s'activer inutilement avec le coup débile avant. Et puis là, j'ai commencé à réfléchir comment... Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, cavalier prend F7, ton idée, c'était de jouer... Non, plutôt tour de 4, donc. Ou cavalier D5 à vérifier ici ça passe. Non, ici ça passe pas, je crois. C'était sur l'autre variante qui était bon, je crois. Mais tour D4. Ouais, d'accord. C'est ça l'idée des fous assises pour que je protège. Parce que au départ, j'ai pensé au dame F4, mais dame F4 ça sert à rien parce que de toute façon, dame fait la même fonction de F6 ou F4 pour prendre D4. D'accord. Donc ça va en fait. Ce type de position, en fait, je peux laisser ça et je peux rebloquer si jamais. Mmh. Et je laisse ça et après il est toujours colonne F, cavalier ne sait plus où. D'accord, aller. Ouais, ouais. Et je peux faire des cavaliers. Bah là, j'ai laissé la machine, donc effectivement, c'est donné comme égal. Oui, mais c'est vraiment tout au juste. Hein, encore une fois, avec les seuls coups, il faut vraiment le stabiliser. Ici. Et ici, d'ailleurs, on a l'impression que les noirs gagnent, en fait. Oui, j'avais cette impression, mais après, la machine n'est pas d'accord. Mais il y a cavalier prend H6. Extraordinaire, si dame prend, là c'est si, puis on prend, et la petite porte. Ça ? Mais non, ça va jamais marcher, il est même fou des trois. Hein. Même ouais. Fou des trois. Oui, mais maintenant t'as plus tout reprendre un échec. Comment c'est si grave que ça ? Oh là là, Eric est agressif. Non, c'est pas moi, hein. Moi j'ai rien fait, moi je regarde le petit truc dans le coin là, discrètement. D'accord. Voilà, là il se passe quoi, c'est vrai qu'elle là, et quand je prends ici tout simplement. Hein. Voilà. Tour G6 échec oui, et tapette. Oui, tu as mis donc parfaitement. Ça m'arrange, je ne suis pas contre. Oui, mais bon, quand même, les noirs menacent de gagner, les blancs sont obligés de faire oui, échec. Oui. Bref, ici donc, ouais, elle n'a rien trouvé du coup, et oui. Je pense que dame G4, ça ne soit pas le meilleur quoi, mon avis. Hein. Non, mais cavalier D5. Et cavalier D5, mon rêve. Voilà. Et ben non, parce qu'elle a cru que c'était cavalier D7 qui marchait, mais c'est incroyable, c'est variable. Il n'y a rien qui marche du tout, en fait, je oui. Crois. Hein. Oui, il y a dame E7 ou dame D8, les deux. Oui, non, il peut même par exemple partir directement. Par contre, il fallait bien calculer ici pour ne pas faire n'importe quoi. Donc là-dessus, les blancs, je crois, problème. Là, je sais pas. Il faut à peine jouer, enfin, il faut prendre, échanger, il n'y a plus rien de cette fille. Enfin, il y a juste pion isolé. Quoi. Oui, tu ne peux pas faire tour. Et attention, aussi, oui, voilà, il y a toujours les prises à vérifier. Ici, il y a évidemment surtout tu prends le fou. Et puis, l'autre variante était rigolo. Comment c'était ? Peut-être d'avoir la prise. Et il fallait toujours vérifier qu'il ne se passe bien rien. Alors comment c'était le rien ? Dame E7 ou Dame D8, les deux marchent. Un truc comme ça. Et ici j'avais bien vérifié que ça ne marche pas parce qu'à la fin j'ai Dame F7. Voilà. Donc tout va bien. Mais c'était vraiment chaud parce qu'il fallait jouer assez juste quand même. Donc là, bon, elle a fait ça qui est vraiment un mauvais, je pense. À ah, partir ouais. De ça... Elle a alors là, c'est une décision très très étrange parce que. Tour active sur ce set. Quoi. Voilà, elle échange sa tour active comme si, en fait, voilà, c'était obligé de prendre.
Je pense qu'elle a dû passer beaucoup de temps à calculer les trucs sur F7, elle a vu que ça ne marchait pas très bien. Et là, elle a eu un coup de panique. Parce qu'après, j'ai vu qu'elle a joué très vite. Et donc, elle n'avait plus le temps, mais surtout. Oui, bah, c'est ça. Oui, parce qu'elle a grillé tout son temps à calculer les trucs sur F7. Oui, oui. Donc, du coup, Peut-être elle s'est dit au moins faire nul, je ne simplifie, je ne sais pas quoi. Mais là, il y a Dame F4, a priori, que j'aime beaucoup. C'est mieux que Dame G5, que j'ai pensé au départ. Dame F4, c'est beaucoup plus fort. Il y a une différence parce que si elle échange, Kaoli vient bien sur les deux et tout avec l'échec. Et ça, ça a eu elle ne peut pas faire. Il faut prendre des 5 qui n'est pas possible. Dame prend G4. Cavalier prend G4, tour prend D7. Oui. Et d'ailleurs, ici, la première courte d'ordinateur, j'avais pensé à ça pendant la partie. J'ai pensé que c'était pour elle introuvable, à mon avis, parce que psychologiquement, c'est très dur de faire ce coup. Mais à mon avis, c'est le meilleur coup ici. Mais bon, là, je suis ma sortie. Bien sûr, puisqu'il n'y a plus la fourchette en D7. Il n'y a plus de fourchette. Enfin, j'ai encore mon petit problème de fou qui, en réalité, ne fait rien du tout pendant toute la partie. Et ça m'énerve. Mais si j'arrive à réorganiser un jour, bon, c'est sans problème aussi. Et il n'a pas fait d'âme bien, donc il a joué quoi déjà. À prise, bon, c'est vraiment pas bon. Si ça, il commence à pour craquer quand même, parce que c'est mes pièces qui sont actives maintenant. Il doit juste annuler dans une de mes variantes. Voilà. Et là, j'ai décidé de. Il ne se passe rien, donc j'ai décidé de réorganiser mon fou, en fait. Je sais si c'est possible, mais je me suis dit, peut-être fou, on ne sait jamais. Ce sera partout mieux que sur A6, ça c'est sûr. J'ai pensé à la base, peut-être, si jamais partir sur 8 à la base, ou réussir à placer sur D3 ou quelque part, quoi, je ne sais pas. Mais... Bon, G3, ça m'arrangeait aussi. Parce que de toute façon, c'était mon idée de recycler la dame à un moment donné via E7. Hein. C'est une bonne case pour la dame parce que ça protège et ça me permet cavalier F6. Ce qui est dommage, c'est que d'ici, j'arrive pas à faire cavalier F6, ce qui est une case naturelle pour mon cavalier parce qu'il y a la prise. Donc c'est pour ça qu'à la limite, j'étais pas très mécontente de. Bon, tour E4, menace en réalité rien. Mais bon, ça met un peu de pression, il essaie en tout cas. Et là, je ne sais pas si j'ai joué coq, mais c'était. Ma décision était encore une fois. Non, ça c'est bien, à mon avis. Ça, et voilà, il faut ceci, ça va a priori, oui, c'est pas mal. Bon, en tout cas, surtout en sachant que nul m'arrange en plus dans cette partie, je veux dire, il faut ceci, c'est vraiment la meilleure solution ici, parce qu'on sait qu'après cet échange, c'est celle cavalier fort, enfin, oui, bien sûr. Et j'aurai plus de problème si elle craque, et du coup, sinon c'est très désagréable, il faut sur C6 quand même, sur A6. Donc, elle a pris, et je pense qu'elle a cru que je faisais nul, mais peut-être, enfin, je sais pas. Mais là, par exemple, comme elle a un peu mal joué avec fou C2, d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fallait faire pour annuler là, peut-être rouge et d'or, Il faut garder le fou ici, de toute façon. Oui. Mais peut-être il y avait encore une défense avec Dame B3, c'est ce qu'on regardait. Il n'a pas fait Dame B3. Il fallait partir Dame B3, c'est sûr, mais peut-être Dame D2. Dame B6, c'est pour vous. Je ne sais pas. Effectivement, là, je réfléchis un petit peu annuler ou pas, mais sinon, je me suis dit, des loin comme ça, est-ce que Dame B2, ce ne sera pas sympa, mais. Sans trop savoir. G5 avec l'idée dame prend fou prend cavalier F6 gagne le pion D4. Oui, il y a des idées comme ça. D4 sera toujours fragile. Quoi. C'est vrai que j'ai pas aussi ne pas touché du tout. Mais sinon, ça c'était mauvais ou pas, je sais pas. J'étais pas très sûr de le faire, mais ça va aussi. Enfin, ça diminue un tout petit peu la mandage. Les noirs restent noirs. Mais là, tu veux gagner un pion avec G5 et tu vas le gagner, parce que tu changes les dames. Là, je vais poser quand même les questions aussi. T'as quand même envie d'échanger les dames. Donc, par contre, ça, c'était mauvais complètement. Voilà. Parce que là, il ne se passe rien. Parce qu'elle est rentrée dans une terrible scène, il faut dire. Oui. C'est dur à jouer dans ces conditions. Non, mais là, on regardait, c'était fini. J'ai pas directement un clou à chèque encore mieux. Donc. Bon, ça, c'est non, pareil, il faut que ça retranspose. Ça, et là, c'est terminé. Hein. Et même, je veux dire, il y a cavalier B4 qui arrive dans certains variétés. Roi F7, c'est mieux. Roi F7, c'est mieux. Alors, il y avait une variante peut-être qui était un peu plus embêtante sur Roi F7, c'était Dame E2, mais je sais pas si ça. Sur quel F5 ? Le Roi F7, avec la tour en G6. Ah, ici. Ouais, Dame E2. Ah, est-ce qu'il y a d'accord. quelque chose qui a été. Échec, je ne peux pas faire échec et prise. Ah oui, c'est embêtant. Oui. Ah oui. Alors, non, mais Dame E2. Alors, Dame E2, Dame. Alors, il y a Dame A1, Roi G2, Roi prend G6. En quoi ça aide inclusion de. Ça va tout simplement le cavalier F6 après, peut-être. Non, le roi est bizarre quand même. Dame A1, pour juste par curiosité, ça a l'air hallucinant. Mais qu'est-ce qu'il fait Roi prend G6, Dame prend E6. Si hein. Voilà. Ah, tout simplement ici. Oui, mais ça, j'avais vu. Mais Dame prend, il n'y a pas plus d'échec. Non, mais il y a cavalier F6 à la fin, tu sais. Dame prend. Si tu prends le roi. Roi G8. Oui. Voilà. Dame et Dame H7, et il n'y a rien du tout.
D'accord. Bizarrement, il n'y a rien du tout, non plus ici. Même avec la dame si mal placée. Et dame aussi, c'est échec ici. Par contre, à quoi ça sert un clou dame en échec, je ne comprends pas. Et quel ordinateur nous propose, je veux dire. Ah, d'accord. Dame, ça ouais. N'a aucun sens, ça. Je ne sais pas du tout. Dame 6 échec, et en fait, tu vas en... Il ne faut pas se tromper, là, peut-être. Ouais, par H8, voilà. Par H8, et sur Dame G6, qui est F6. Oui, voilà. On a gagné un tempo. Voilà. Les coups d'échec, et hop, et ça protège. Mmh. Ouais. Donc, en fait, elle a juste perdu toutes les pièces, en gros. Comme elle a mal placé sur Dame, sur D3. Ouais, ouais, non, mais là, c'était mais la c'était panique. La dernière chose, c'était la panique. Non, c'est naturel au sens où elle a eu comme une bonne position, elle pressait, et tout d'un coup, tout a disparu. Elle a eu 3 minutes pour faire, je ne sais pas, quand ce coup, elle a complètement du coup. Ouais. Bon, en tout cas, je suis content de gagner ma dernière partie. Donc, la fin pour montrer. Bon. Combien est-ce que tu gagnes de points, Elo? Ah, je ne sais pas, au moins 50 ou hors 60. Ah, tu sais que c'est important, on avait point Elo pour se qualifier en A priori, oui. Je vais faire attention au tournoi, peut-être. Non, mais d'habitude, j'ai fait tous les sorts de tournois. C'est-à-dire, j'ai fait Gibraltar, j'ai fait Minsk, il y avait 4 ans, grand mètre plus. Donc, et voilà. Et j'aime faire les tournois affilés et parfois, je perds pas mal de classements. Et tout de suite, je régale après 65 points dans 2 semaines, comme je fais cette année. Et là, je régale donc encore dans... sur 2 jours, je sais pas, vers 60 points, un truc comme ça. D'accord. Sais. Tu n'as jamais eu 2400? Non, pas encore. D'accord, donc tu es encore F20. Mais figure-toi que ma troisième norme que tout le monde a cru fait, bah, l'arbitre m'a dit que c'est pas fait. Norme de mettre troisième, mettre la partie de navire. Mettre international. Parce que bah, tout le monde a cru que sur un affront de 3 mètres international, et tout était bon, perf et tout, enfin bref. Mmh. Mais l'arbitre m'a dit qu'il y a un nouveau règlement à la partie de 2013 qui dit que si c'est un tournoi fermé à 6% 12 rondes, il faut 4 mètres dans le tournoi, sinon ça ne se fait pas. C'est ah, bizarre. Et alors, donc il y a Sophie, il y a Almira, il y a Sophie, Almira. C'est vrai, parce que 3 mètres, c'est sur 9. Sylvia, elle est émise. Oui. Elle est émise, Sylvia. Ça fait longtemps. D'accord. Mais a priori, nous, le règlement. Alors que les jeunes me disent non, c'est pas oui, pour 9, oui. Voilà, et donc en fait, tu ne pourrais pas arrêter ton tournoi après 9. Je sais pas, ça me semble un peu discutable. Oui, c'est discutable. Ouais. Je crois qu'il y a un journaliste ici que je vois avec un papier. Mais bon, enfin, il faut clarifier cette question norme, surtout. Qui voudrait bien t'interviewer. Okay. Voilà, donc merci Nino. De rien. Hein, voilà, et à tout à l'heure. D'accord. Ouais. Bravo. Merci. Et d'ailleurs, je pense qu'un dernier petit tour, vite fait, au résultat, et on va aller manger. Et merci Nino aussi de ne pas qu'il n'y ait pas de match de départage parce que sinon c'était encore de 5 à 7. Ça me suffit de départage de la encore, dernière. Encore sur le. Merci à Laurent aussi. Enfin, merci à tout le monde. Allez. 19h. Ah ouais, il n'y a rien. Alors, bah ouais, c'est fini. Alors, est-ce que ça progresse ici pour la troisième place du tournoi? F4, roi B7. Considère qu'il a affaibli, le roi n'a rien à faire. Bon, allez, ça. Il a passé le 40e coup. Sokolov de grève. Non, c'est Auxerno-Bollinger. Avec 1000 pions d'avance. Tour prend E5. Donc elle réfléchit à F6, et dans ce cas-là, F6, c'est pas si, peut-être pas si simple, parce que sur F6, est-ce qu'il y aurait, il peut y avoir C6, tour prend D6 et C7. Mais je pense que sur tour D8, c'est difficile. Tour prend E4 et pion prend C6. Et est-ce que sur tour prend E5 on peut jouer F6? On peut jouer F5 et pas F6. F6, qualité pour un certain nombre de pions. Ouais. Sokolov de grève.
Ah oui, c'était intéressant, je voulais voir justement quel avait été le D6. Puis on prend E5, puis on prend E5, dame prend D8. Fou prend D8, fou E3. Voilà, cette finale. Finale très égale ou assez bizarrement. On va avoir une finale qui, et on ne sait pas si ça gagne, avec le pion C7, qui a des 5 échecs, donc roi B2, ah. Cavalier, on peut pas, pour fourchetter un roi en B2 dans ce dispositif, il faudrait mettre un cavalier en dessous de l'échiquier, donc qui a des 5 échecs, roi B2, on ne sait pas si roi B3 est... Aya. Roi D4 n'est pas bon. Cavalier B4. Catastrophe. A1. Cavalier C2. Donc roi B2, C6. Dame C7. On ne peut pas prendre le cavalier D5. Car le roi est loin. Ah, est-ce qu'on peut jouer roi C4? Dans ce cas-là, il faut arriver à contrôler la case C1. Pour pouvoir prendre avec le roi D5, avec le cavalier ici. Roi C4 ou roi B2 nul? Roi D2. Roi D2, C6, 1 dame, C7, dame D4 échec. Alors intéressant ici le gain. Roi s'obtient par roi B2. Donc ici il faut faire la fourchette en B3, évidemment c'est pas possible. C4, dame, C7. Dame D4 échec. Roi s'en va. Ah, d'accord. En fait, il suffit de mettre la dame sur la bonne case. Puis ensuite, le roi monte. Ah, il faut passer le roi d'abord pour monter le long de la colonne D. Bah, c'est pas si compliqué finalement. Voilà. Et alors que si on est passé de l'autre côté, bah, on ne peut plus revenir sur la colonne D. Voilà. Et ensuite, toc, 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 déloge le cavalier. Et qu'on est là, il séparait. La fourchette, elle est là. Ah, il fourchette encore. Bon. Ah oui, il y a dame C2, il y a toujours l'échec intermédiaire. Quand le roi est là, non, quand le roi est là, ouais. Mais comment est-ce qu'il a, comment est-ce que ça a pu tourner? Peut-être une mauvaise évaluation. Et on prend A2. On prend qu'il prend A9. Qu'il prend 5, on prend C3. Et on ne revient plus. Voilà. Et ça, c'est fini. Tournoi que vraiment pensait faire nul avec les blancs lors de cette dernière ronde, qui se fait un petit peu piéger par par la volonté de faire un cerneau.
ça c'est la passée le 40e coup, donc c'est réflexion. Ça va bientôt être terminé avec un peu de réflexion. Et c'est fini, et ça sera scale. Donc là, il doit y avoir une erreur de retransmission. C'est sûrement tour prend G3 qui a été joué et tour prend A3. Enfin, pas, voilà. Roi C2. Tour prend G3, roi prend D1. Tour prend A3. C'est pas si facile alors. Bon, en tous les cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Champion, les champions sont Laurent Fraissinet et Noumaï Souradze avec au moins un point d'avance. Et pour la troisième place, c'est Romain Edouard chez les garçons. Chez les garçons dans le national et chez les filles, c'est Almira Skripchenko. Alors en plus, on connaît déjà les podiums.